Pokémon Écarlate, putain! Je suis trop content, je suis trop excité, j'ai l'impression d'être un enfant qui vient de recevoir son premier jeu Pokémon. Ah, vous avez pas idée du bordel que ça a été en Lozère pour l'avoir si tôt. Oh! Oh, let's go! Oh, je suis trop content! On prend une meuf, hein, rien à foutre. La première étape pour vaincre le patriarcat, c'est d'incarner une fille dans Pokémon. Je pense que celle-là, elle me ressemble plus. Douraf! Merde, c'est pas ça. Let's go! Oh, modifier le visage, on peut pas modifier la poitrine? Je veux des giganibars. Ouais, mets un petit sourire, t'as l'air gentil là, ouais. Oh putain, mais je suis trop bonne! Mais je me baise! Oh, mais je veux, il bouge quand je bouge! Attends, mais je suis trop bonne! C'est le début de l'aventure de Douraf! Académie Orange, école privée, quoi? Je suis à l'école? Pas réaliste du tout. Moi, aller à l'école? Alors ça, on l'avait pas sorti depuis longtemps! La région de Paldea est une terre riche à la nature luxuriante! Ici vivent des... Putain, oui, je connais... j'ai 23 ans! Je suis né la même année que Pokémon... Non, c'est pas vrai. Oh, oh, il est trop mignon! Lui, par contre, il me fait peur. Plot Twist, c'est le méchant du jeu, c'est sûr. Nous vivons en leur compagnie. Oui, ta gueule! Ta gueule! Je veux jouer! Je vous préviens, je vais être insupportable. Hier, j'ai passé l'après-midi à galérer pour avoir le jeu. Et le soir, j'ai pris une de ces cuites, mon gars. Là, j'ai la gueule de bois. Je suis un Kigurumi Pikachu. Oh waouh! Attends, mais par contre, c'est beau en vrai. Pour un jeu Pokémon. Ok, j'ai peut-être parlé un peu vite. Ça dépend des moments. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Plouf. Pourquoi il y a des oiseaux avec la coiffure d'Elvis Presley? Bon, c'est bon, arrête d'étudier. On va très vite changer ton look d'étudiante là. Ça va pas du tout. Maman! Je veux partir à l'aventure! Par contre, calme-toi. T'es pas obligé de sauvegarder toutes les 3 secondes. Hein. Oh putain de merde. Mais maman! Mais... Ah bah je vais me taper ma mère. Ils adorent nous faire des darons ultra poutrables dans Pokémon. Tu m'étonnes qu'on est tous névrosés. Enfin, pourquoi le proviseur vient me chercher chez moi? Ça va pas du tout, monsieur. Vous êtes le proviseur? Vous êtes venu personnellement chercher ma fille? Oui, parce que c'est un prédateur. Il a l'air chiant. Et en plus, il drague ma mère. Il y a que moi qui drague ma mère, ok? Ah, mais arrêtez de faire ça. Et ils sont en date, là. Ils se foutent de ma gueule. Oh, trop bien, je vais avoir un chapeau. Oh, oh, je suis tellement bonne. Bon, j'ai pas l'intention d'aller à l'école, maman, hein. Je vais me déscolariser immédiatement. Donne-moi mon premier Pokémon! Ah, ça y est! Waouh! Oh! Oh, il est trop mignon! Oh, je suis désolé, les deux autres à côté, c'est de la merde. Hein. Après, j'avoue, il est quand même mignon, le crocodile malveillant. Ça, alors, le professeur de ton école est vraiment très poli. Ta gueule, maman, ta gueule! Par contre, il nous a laissé ces Pokémon, là, et il s'est barré. Oh, waouh, un smartphone. Trop dans l'actualité, Pokémon. Trop bien, j'ai mon smartphone! Mais je... Toi, là... Toi, viens. Mais je peux pas choisir, là? Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Attends, mais c'est super grand. Mais c'est Pokémon, là, ou c'est Skyrim? Vite, 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 vite de sens, comme la vie. Mais cours, Tracanel, cours! Ah, ok. En fait, je cours automatiquement à partir du moment où je suis éloigné de ma maison. On ne court pas dans le jardin, c'est maman qui l'a dit. Oh, je suis giga sexy. Putain. Pousse à chat. Ah bah c'est déjà lui qu'on prend, c'est sûr. En plus, la vidéo est pas encore sortie, mais récemment j'ai commencé Chainsaw Man. Et il me semble que Power, qui est déjà mon personnage préféré, elle adore les chats. Alors je vais prendre le chat mignon et je vais l'appeler Power. Putain, mais c'est qui cette dame par contre? Tu es ma camarade? Je vais la draguer. Le chat! Mademoiselle Douraf, c'est moi. Menzi. Ben enchanté Menzi, je m'appelle Rodolphe, mais tu peux m'appeler ce soir? Ah, la déléguée des élèves de l'académie, putain. Tu veux pas prendre en charge tout mon cursus scolaire? Je prends le chat. Je peux lui donner un surnom tout de suite? Il est trop mignon. Power! Et on va ajouter des points d'exclamation, hein. Merde! Oh mon dieu, mais on est tellement bonne! J'ai entendu calculer que j'ai aucune idée de si ça va vous plaire le fait que je fasse cette vidéo. Mais je crois que, quel que soit votre avis, je vais continuer à faire des vidéos sur ce jeu parce que là je m'éclate actuellement. Alors que ça n'a pas commencé. Ouais, donc un gros L, c'est la rivale. Je vais me la taper. Je t'attends sur la plage. Oh! Let's go, le bain de minuit! Quand tu veux, Menzi! Mais d'accord, ils ont vraiment tout fait comme un monde ouvert. Mais j'ai du mal à croire qu'on est dans Pokémon là. C'est incroyable ce qui se passe. Oh d'accord, je m'attendais plutôt à un lit à baldaquin en fait, pas à ça. C'est pas très confortable pour ce qu'on va faire, si. Battons-nous, Douraf! Rien de tel pour progresser! Alors, je pars de zéro, tu vas te calmer. Ouais, Menzi! Power! J'espère que ça va te plaire. Oh putain, oui. Attends, mais je vais le déglinguer, son canard, là. Ah non, ils vont m'expliquer comment ça marche et tout. Ah, trop chiant, putain. Allez, ciao! J'en ai fait un magret de ton Quenton de merde. Non, c'était pas Quenton, ça. Bon, du coup, j'ai gagné. Est-ce qu'on peut passer la nuit ensemble dans un hôtel, s'il te plaît? Mais par contre, c'est quoi le bordel de cette école? En gros, tous les élèves sont. T'as un téléphone? Oh, elle veut mon numéro! Et genre, en fait, tous les élèves sont lâchés librement dans la région. C'est quoi ce bordel? C'est le futur de la scolarité, moi, je vous le dis. Je vous laisse, je dois m'entretenir avec vos parents. On a bien compris que t'aimais bien la daronne, hein. Connard. J'aime les combats plus que tout. T'es malade, ma fille, hein. Ah ouais, montre-moi comment on capture des Pokémon! En fait, je vais pas foutre un seul pied dans leur école. C'est ça qui se passe, là. Putain, voilà qu'elle aussi, elle veut se taper ma mère. Douraf est entre de bonnes mains. Ouais. Poste tes mains sur moi quand tu veux, madame. J'ai lu le prospectus. Mais quelle daronne! 100% c'est une maman, elle. Putain, elle m'a donné un sandwich.
Oh, il y a les chonks. Les chonks. On va le prendre, le porc. Hein. Je vais l'appeler Peppa. Oh, les chonks. Vas-y, je vais le détruire, le porc. Tiens, la Pokéball. Oh, j'ai chopé les chonks. J'ai power et puis pas peur. Et à chaque fois, il y a des points d'exclamation. Ça va bien, ma personnalité, en fait. Direction le phare. Mais il y en a partout, des Pokémerdes. Je suis désolé. Je l'ai retrouvé chiant avec le jeu. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu es très moche. Ah, j'ai envie de l'exploser, la granny merde, là. Vas-y, les chonks. J'adore les combats Pokémon au début du jeu. C'est vraiment le truc le plus intéressant. Mais c'est quoi, ce bordel? On est dans Pokémon et je peux aller n'importe où dès le début du jeu, genre. Qu'est-ce que tu es, toi? Pomme. J'adore ce jeu. Vraiment, je passe un super moment là. Je sais que je suis très sarcastique dans ce que je dis et tout, mais c'est parce que j'aime vraiment là ce qui se passe. Ah, il est type électrique, nickel. En fait, c'est un faux Pikachu, c'est ça? Attends, mais je vais l'appeler Pikafraude. Non, je suis désolé, tu es une Pikafraude. Merde, ça fait trois fois! Pikafraude a rejoint votre équipe. Mais qu'est-ce que tu es, toi? Mais c'est quoi ce bordel? Mais il y en a trop, des petites Pikamerdes là partout. C'est quoi ce bordel là? Ah, mais c'est le Pokémon légendaire. Attends, mais. Est-ce que je vais capter le Pokémon légendaire dès le départ du jeu? Parce que je sais que c'est un véhicule, mais... Non. J'ai pas genre chevauché le Pokémon légendaire dès le début du jeu. Parce que moi, c'est Menzi que je voulais chevaucher à la base, en fait. Je suis même pas entré à l'école que je vais voir un Pokémon légendaire et devenir pote avec lui. Jésus-Marie-Joseph, il est là. Oh, les petits malos, ils sont adorables. Par contre, le pauvre, là, il faut l'amener au CHU. Ok. Attention! Je suis décédé. Mais quoi? Mais quoi? Attends, mais on peut survivre à des chutes de cette hauteur? Grâce au motisme Adex, là, de merde, le smartphone de la mort? Bah, j'ai quelques Pokéballs, écoute, je vais te capturer. Ah, putain, j'ai mal lu, j'ai cru que pour le réveiller, il fallait lui foutre un coup de pied. À cette pauvre tracanelle. Oh, le sandwich. Oh, je lui donne le sandwich. Tiens, mange mon sandwich. C'est poulet crudité. Attends, mais je suis vraiment en train de devenir pote avec lui. Salut, je suis Greenpeace. Scrunch! Il m'a bouffé la main avec, hein. Agroui! Agrou! Très méchant. Qu'est-ce qu'il fout? Ok. Bon bah ciao, hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, mais... Tu m'amènes où, là? Il est en mode, ouais, je connais un endroit. Menzi, j'ai pas le temps. Par contre, je suis vraiment en train de devenir pote avec lui. Est-ce que je vais pouvoir le chevaucher dès le départ, là? Tout va bien. Reste chill, frangine. Fais gaffe, quelque chose s'approche de toi. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Quoi? Attends, mais quoi? Mais tu veux que je fasse quoi, niveau carotte? Ça y est, je suis mort, en fait. Oh, ça lui plaît pas du tout, il va sauver sa pote. Attends, est-ce que je vais me battre avec lui dès direct, là? Ça n'a pas le moindre sens. Par contre... Avant, je trouvais le Pokémon légendaire pas du tout stylé dans les trailers et tout. Mais en vrai, ça va. Il a un peu de charisme quand même. C'est juste qu'il faut le connaître. Attends, mais genre, c'est Spider-Man et je suis Mary Jane là. Je suis parti de chez moi il y a littéralement 45 minutes. Et je suis devenu pote avec un Pokémon légendaire. Mais qu'est-ce qu'il fout? Oh, tu fais chier, j'en avais qu'un seul de sandwich là. Quand il aura rejoint ton équipe, j'espère que tu me laisseras l'affronter. Mais attends, mais quoi? Dis si on échangeait nos numéros. J'ai pécho! Allons nous reposer en haut du phare? Ouais! Un lieu privé, quoi! Salut, mec! Attends, genre, tu restes là, chill, mais c'est quoi ce bordel? Tu suivais pas le parcours littéraire, putain! Babos! Oh, le mulet, mec! Ah, t'es un de ces mulets? Il est sexy, en vrai, Pepper. Il m'a sauvé la vie, hein. Je veux pas me vanter, mais... Coraidon. Agrou, agrou. Putain, mais il veut se battre contre moi pour vérifier... Attends, mais je viens de commencer, moi, hein. J'ai pas soigné mes Pokémon. Ah, ça va, il a juste un petit écureuil de merde. J'en ai ras-le-bol qu'on me parle de ma mère. Attends, quoi? C'est qui, ta mère? Oh! Tu vas chialer? Attends, mais par contre, si je l'ai battu, ça veut dire que je vais m'occuper de lui, là? Mais ils vont pas me donner un Pokémon légendaire dès le début du jeu, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il va pas être dans mon équipe dès le début. Mais peut-être qu'il va me servir de véhicule. En vrai, ce serait culotté. Ça, pour le coup, ça changerait. Attends, mais non, mais... Pokéball de Coraidon. Moi, j'ai réussi à me débarrasser de cette Pokéball. Attends, mais il m'a refilé le chétan, là. Et il se barre en courant. Qu'est-ce qu'il y a avec cette Pokéball? Non, mais il vient de me refourguer un démon, là, c'est sûr. Il vient littéralement de me refourguer un Pokémon légendaire. Et elle veut toujours qu'on aille se pécho en haut du phare. Attends, mais... Ah non, ok, oui, il est pas dans mon équipe. Bon, on va arrêter de se poser des questions. On va aller ken la meuf. Dans le prochain épisode de Pokémon Écarlate... Ah, c'est romantique, non? Tu trouves pas? Nous deux en haut du phare.